super soirée, hein? Ah ouais, c'était une super idée, hein. Normalement, on est chacun tout seul devant sa phobie. Alors que là, on peut se rencontrer, on peut échanger. On s'en fout tout seul, quoi. Et c'est quoi ta phobie à toi? Bah, moi, j'ai une phobie inexpliquée des excuses. Pardon? Ah quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Je viens de te dire que j'avais une phobie inexpliquée des excuses. Ah quoi? Moi, je suis terrifiée par les répétitions. Terrifiée par les répétitions? Ah hey, super soirée, hein. Ah ah désolé. Ah 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 mais elle arrêtait de crier, j'ai peur qu'on prononce le mot A-A-A-A-H point d'exclamation. Moi c'est les excuses. Et moi c'est les répétitions. Bonjour. Salut. Bonsoir. Et coucou toi. Ah ah ah. J'ai peur des silences pesants. J'aurais dû vous le dire, je suis désolée. Ah ah ah. Super soirée, hein. C'était quoi ça? J'aboie quand les autres ont des phobies. J'ai essayé d'échanger comme un truc genre désolé. Ah bon, écoutez, ça suffit, hein. Moi je suis terrifiée par les répétitions. Oh, vous êtes terrifiée. Non, 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 non. Alors moi c'est les excuses. Oh, je suis vraiment. Non. Qu'est-ce que je fais? Moi je suis frustrée, j'ai envie de crier. Non, pas de cri, hein. J'ai peur quand on prononce le mot je prends d'exclamation. Ok, vous êtes tous une belle bande de tarés, en fait. Tu l'as dit, hein, on est une belle bande de monstres. Je suis désolé. Non, ça va pas du tout, faut que j'intervienne. Non, ouf, vas-y, okay. Ouf. Allez, du vent. Non mais c'est bon, faut que j'intervienne parce que j'en vois parmi vous qui ont pas du tout ri, qui ont rien compris, donc bon. Je pense qu'il est temps pour moi de vous expliquer les 7 principes comiques. Non mais je préfère prendre le temps maintenant, vous voyez, plutôt que... Je sais que je vais peut-être sucrer la suite du spectacle, voire même sucrer la fin qui est juste... Génial et à la fin et donc mais je préfère prendre le temps maintenant plutôt qu'il y ait des gens qui me disent après oui non mais avec ma petite compagne on n'a pas trop rigolé donc non je préfère qu'on passe sur des bonnes bases vous et moi on est d'accord? Oui on est d'accord. Premier principe comique, le comique de mots, c'est le comique qui repose sur un seul mot. Exemple. Merguez. Deuxième principe comique, le comique de situation. C'est un comique qui repose sur une seule situation. Exemple. Je marchais dans la rue. Lorsque soudain, je glisse sur une merguez. Troisième principe comique, le comique troupier. Donc c'est n'importe quel principe comique transposé à l'univers militaire. Exemple. Alors dans cet exemple, je vais d'abord vous figurer physiquement l'univers militaire et le texte viendra un tout petit peu après. Il faudra suivre. Hé chef, j'ai une merguez sous mon képi. Quatrième principe comique, le comique de geste. Donc c'est le comique qui repose sur un seul geste, mouvement. Donc, exemple.
principe comique, le comique de boulevard. Exemple. Je vois là-bas, sur le boulevard, une énorme merguez. Excusez-moi, ne notez pas ça. Ça, c'est le comique de répétition. Je suis désolée, je... Ouais, bon, le comique de boulevard, c'est plutôt ça. Et enfin, non, ne vous inquiétez pas si vous avez rire, le comique de boulevard, ça fait rire personne en général, presque personne. Donc, enfin, on peut naturellement, et j'allais dire heureusement, combiner les différents principes comiques. On peut les combiner. Et donc, exemple. Comment ? Il n'y a plus de merguez dans la caserne ! Alors ? Non mais ça fait plaisir de voir qu'il y en a qui suivent. Donc, merguez, c'est le comique de mots. Comment, c'est le comique de répétition. La caserne, c'est le comique troupier. Le fait qu'il n'y ait plus de merguez dans la caserne, c'est le comique de c'est le comique de situation. Et le mon doigt, c'est le comique de geste. Et le comique de boulevard, il est quelque part. Mais de toute façon, comme on ne sait pas, il fait rire personne. Donc, du coup, c'est un peu compliqué de le... De le localiser. Bon. On arrive au point le plus crucial de mon exposé. J'en vois certains qui rigolent. J'aimerais qu'on soit sérieux. C'est une question de dignité humaine. Je ne veux pas vous cacher ce principe comique, essentiel, mais cruel. Je vais parler comique de tarte à la crème. Ne dites rien! Je sens votre détresse. Bon, pour ceux qui ne sauraient pas, selon la coutume barbare du théâtre, je devrais me recevoir une tarte à la crème en pleine figure. Mais bon, vous êtes des gens civilisés, hein, je pense que ça n'a pas... pour le théâtre. D'abord il y a Hector le castor et Édouard le canard et José le sanglier et Charlotte la marotte et Mireille l'abeille, Léon le frelon et Fédor le porc et Tonio le blaireau. Pas par là, pas par là! Et deux secondes, c'est bon! Oh, t'es venu me stresser là! Oh. J'ai sûr que t'as encore oublié les déguisements! Désolé, on est en retard. Du monde, hein. Ils sont grands, les enfants. C'est pas des enfants, ça, c'est un jury. Un jury.
T'inquiète, Fred, comment cela? C'est marqué début. Ouais, il y a marqué début. Bon, si on est en retard, c'est parce que... Parce que on s'est trompé de métro. Ouais, monsieur s'est coincé la queue dans la porte. On pleure la queue. Voilà, donc, mais pour tout vous dire, on n'est pas à Grenoble, on est à Strasbourg, en Allemagne, du coup, on n'a pas trop de problème. Bon, c'est une chanson d'aliments. Ouais, c'est un hommage à Jean... un hommage à Brassens. À Brassens. Brassens. Ok. Bonjour les enfants! Est-ce que ça va bien? Oui! Est-ce que vous aimez les animaux? Oui! Parce que nous, on adore les animaux. Il arrive toujours un tas d'histoires. C'est vrai, Jean-Michel? Eh oui! Alors, pour vous, c'est ça. On va vous enchanter! C'est l'histoire d'un petit singe qui aimait bien les bananes, se creuser des méninges pour ranger sa cabane. Ouais, Brassens, tu disais. Quoi? Brassens, quoi. C'est bon, c'est pas vrai. On va passer à la suivante. Là, j'espère que ça me plaît. C'est l'histoire d'une antilope qui était complètement myope. Qui lisait pas les panneaux et se plantait dans le métro. Mais pas du tout! C'est pas du tout ce qui est écrit! Bon, alors écoute, j'écris peut-être des paroles de merde, hein, mais moi au moins, je bosse quand tu rêves, ok? Mais tu te calmes, hein! On a pas mis ce dîner là! Mais ça va, c'est bon. Non, tu fais que d'un coup. Elle fait que d'un coup. Ça se fait en plus! Elle ronfle le lundi, elle ronfle le mercredi. C'est le canard! C'est le canard, ok? Bon, c'est bon, je sais, c'est moi qui écris les paroles! C'est l'histoire d'un gros canard qui était toujours en retard. Au boulot comme au resto, mais jamais au bistrot. Ok, alors on boit 3 bières avant un spectacle, donc on est alcoolique, c'est ça? Parfait. C'est l'histoire d'une petite grenouille. Grosse grenouille, ouais, qui nous cassait bien les... Si! C'est pas faire la tambouille. Au moins elle sait nager. Alors ça c'est vraiment dégueulasse. On vous explique, hein. On est parti l'été dernier au Gros du Roi. Monsieur nage la mais, pierre. Mais ça intéresse personne ça. Est-ce que ça vous intéresse? Mais bien sûr, ça vous intéresse. Ça intéresse personne. Mais je suis aquaphobe. C'est pas de ma faute, je suis aquaphobe. Bah, le secouriste était ravi. Hein. Bon, l'aquaphobe, je parie que tu vas nous faire le coup du Bernard Lamy. C'était un Bernard l'ermite. Qu'on avait une toute petite qui passait toutes ses journées devant sa télé. C'est l'histoire d'une tarentule qui voulait pas qu'on l'en... bête. Qui s'ennuyait sur son tulle. Parce qu'elle est trop bête. Est-ce que tu sais ce que font les tarentules à la fin du coït? Elle bouffe le mal. Non, c'est la veuve noire qui bouffe le mal. Bizarre qu'il dit tout ça. Et quoi? Laisse tomber. C'est l'histoire d'un gros bourdon qui tournait, qui tourne en rond. Il ne pique plus du tout, sans d'or et trop mou. En même temps, faut avoir... avoir envie, quoi. C'est l'histoire d'une petite abeille, une vraie petite merdouille qui peut péter tes bouteilles, mais surtout mes couilles. Chut, c'est les enfants. Les enfants, on dit pas les couilles. On dit un testicule. Enfin, on dit deux testicules. Parce que les gens, ils en ont deux. Enfin, les garçons, ils ont deux. Enfin, presque tous les garçons.
jour, il n'en pouvait plus du tout. Il disait, si c'est comme ça, j'appelle un avocat. C'est l'histoire d'une petite loutre qui voit que t'en as plus rien à foutre. Puis depuis le mois de juin, elle se tape le voisin. Quoi? On était sûr de ça, on était... Cet abruti de mime. Je le savais, ça. Ringarde. Intermittent du spectacle. Ça t'invente. Je suis sûr qu'à cause de toi, je passe à côté d'une carrière d'expert comptable. Hein? Comment? On est pris? Pour une tournée? Ah ben nous, on est disponible, hein. On n'est pas disponible. On a déjà beaucoup d'autres choses de prévues. On a que ça, quoi. Merci. Chambre séparée à l'hôtel? Pourquoi? Examinateur, ce n'est pas un métier. Tous les candidats veulent leur permis et certains ne se donnent même pas la peine d'apprendre leur code de la route. Mais attention, avec moi, pas de passe-droit. Premier candidat. Candidat. Candidat! Oh! Une seconde, non! Y'a pas le feu! Dépêchez-vous, je vous en prie, y'a d'autres candidats. Une seconde, on vous dit! Plus rapide un petit montant en examen! Bien sûr, mais faut pas en plus. Non, mais faut pas pousser, hein! Tenez-moi ça. Installez-vous, je vous en prie. Pardonnez-moi. Va pas falloir jouer avec l'homme. Vous êtes bien installé? Non, ça me gêne les genoux. Oui, c'est une petite voiture. Ouais, puis j'ai de gros genoux, forcément ça me gêne les genoux. Oui, c'est ça, la prochaine fois on prendra un autocar. Bah, y'a un tête, parce que je vais pas changer mes genoux. Bon, monsieur, première question. Montez dans votre véhicule, celui-ci ne débarque pas, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que je sais, moi? Et vous faites bien de savoir. Oh, redites-moi ça un peu pour voir. Vous êtes dur dans la feuille, hein. Montez dans votre véhicule, vous tournez la clé, rien ne se passe, qu'est-ce que vous faites? Mais je descends. Bah oui, je descends. Et je tape dans cette putain de voiture. Je frappe, je cogne! J'ouvre le capot, je prends la camionnette et je casse le moteur! Parce que je vais pas me laisser emmerder par un tas de ferraille! Puis faire autre chose non plus d'ailleurs! Bon. Autre chose, hein? Ouais. À présent, vous arrivez à un carrefour. Ouais. Un agent de la force publique vous fait signe de vous arrêter. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que vous faites? Mais je m'arrête. Ah, je... Eh non, je passe! Ah oui, je passe! Et je le chope par la gauche, je lui fous sur le buffet, tant qu'à faire! J'ouvre la portière et hop, un grand coup de latte dans la gueule! Parce que c'est pas un flic qui va faire la loi ici, hein! Et prenez pas tout le siège, hein! Bon, présent, vous êtes sur une route départementale. Ça m'étonnerait. Non. Qu'est-ce que vous dites? Je dis, ça m'étonnerait. Je vais jamais sur une route départementale. C'est plein de boue, ça sent mauvais. Bah, c'est une supposition. Hein, c'est... Non, je ne suis pas sur une route départementale. Je n'aime pas ça, les routes départementales. Je hais les routes départementales. Rien que de mon côté des routes départementales, j'ai envie de donner des baffes à tout ce qui remue. Attention. Mais en admettant que... Oh, j'aime le farcir. J'aime le farcir, Mastico, j'aime le farcir, hein. Hein? Mais non, mais c'est une supposition, ça. Est-ce que je vous en pose des questions, moi? Non. Est-ce que je vous en pose des questions? Pas du tout. Hein? Est-ce que je vous demande qu'est-ce que vous faites quand il se passe ceci? Qu'est-ce que vous faites quand il se passe cela? Hein? Est-ce que je vous oblige à aller sur la route départementale, moi? Hein? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Eh ben alors! Est-ce que je vous demande pourquoi vous êtes peut-être d'abruti? Pourquoi ça fait un bruit dédié quand je l'ai revu? Hein? Non! Tout ce que je veux, c'est où le passé ou non, mon permis?
qu'est-ce qu'on peut faire comme temps avec la formalité dans ce pays? Ah bravo les enfants! Ah bravo hein! Ah vous pouvez être fiers de vous. Eh ben non, papa, il est pas content. Hein? Avec votre mère, on a tout fait. Tout depuis le début. On sacrifie tout. Hein maman, on a fait des sacrifices. Ah mais depuis le début, on en fait une tonne. On a même orienté votre éducation. Pas d'école. Pas de dictionnaire. Pas de théâtre. Ils ont jamais ouvert un bouquin. Ils ont jamais ouvert un bouquin. Tout le temps, la télé. Tout le temps, TF1. Mais qu'est-ce qu'on pouvait faire de plus? Et après, sur vous tous là, il y en a pas un qui est capable de gagner une émission de télé-réalité. Mais c'est pas possible, ça. Quand je repense qu'en 1952, mamie gagnait la valise sur RTL. Ça, c'était quelqu'un. Et aujourd'hui, là, vous n'êtes pas capable de partir de rien du tout pour arriver nulle part. C'est quand même pas compliqué, ça, non? Ouais, tu me fais poser d'autres questions, là. Qu'est-ce que j'ai loupé? Tiens, toi, par exemple, Christophe, mon aîné, tu sais pas danser, tu sais pas chanter, tu sais pas lire, tu ne sais même pas écrire. Mais c'est du pain béni dans ces émissions. Tu te rappelles ce que tu m'as dit pour tes 18 ans? Ou un truc du genre, enfin bref, on n'avait rien compris. Mais t'avais tout pour gagner Secret Story! Non, t'es là, tu fais rien. Ah tiens, la petite Sabrina là, ma petite chérie. Ah, elle, on l'a chouchoutée. À 2 ans, on lui mettait du rouge à lèvres. À 4 ans, on lui faisait percer la langue. À 8 ans, on lui mettait des prothèses mammaires. Hé, hey, Sabrina. Tu m'expliques pourquoi t'es pas capable de la gagner, cette île de la tentation? Non mais, c'est compliqué d'être une bonne tentatrice. C'est compliqué de tentater les gens, hein? Mais demande à ta mère, il y a tout le quartier qui la tentacule. Mais ça sert à ça, les parents, à donner l'exemple. Ah non, toi je t'arrête tout de suite. Hein. Toi, tu es le fils que Loana, et Jean-Edouard ont eu dans la piscine du Love Story. La télé-réalité coule dans tes veines. Et non, toi, tu sers à rien. Mais d'habitude, avec rien, on gagne tout là-dedans. Il y a quelque chose que je comprends pas, là. Ah non, ça va, Jérôme, hein. Ah non, mais tu peux être content, hein. Mais le but de l'amoureux dans le pré, c'est de ramener une femme, pas une truie. Mais qu'est-ce qu'on va faire de ça? Hein? Peut-être que bien maquillée, on peut la faire gagner une Miss People. Ouais. Ce serait pas la première fois qu'une cochonne gagne une émission de télé-réalité. Ah! Voilà mon petit dernier qui rentre, de Carré VIP. Ah lui c'est un fort, lui c'est un vainqueur. Lui il est comme ça. Il est complètement con. Il se passe rien dans sa tête, absolument rien. Vous collez votre oreille contre la sienne, vous entendez la mer. C'est une mer.
C'est la preuve que quand on veut, on peut. Mon champion. Mon chef-d'œuvre. Ah, t'aurais pu le gagner, ce carré VIP. Si seulement ils avaient pas décidé de tout annuler. Bon, allez, c'est pas grave, va te changer. Et enlève tes talons aiguilles, là, tu vas rayer le parquet. Ah non, mais vous rigolez, là, tous, vous vous moquez, mais... Avec tout l'argent que vous étiez censé me rapporter, mais... Je comptais faire des travaux sur maman. Parce que qui c'est qui dort avec? Eh ben, c'est papa. Et croyez-moi, mais tous les soirs, mais c'est Koh-Lanta. Tu vois, ça me fait poser des questions sur mon rôle de père de famille. Et je me dis, mais... Qu'est-ce que j'ai loupé dans votre éducation? À quel moment je me suis trompé? Moi, ce que je voulais, c'était vous emmener là-haut. Je voulais le meilleur pour vous. Est-ce qu'on peut blâmer un père de vouloir ce qu'il y a de mieux pour ses enfants? J'ai tout fait pour vous. Tout. Et vous? Vous faites rien. Ça va? J'étais pas trop mal là? Ah non, ouais. Ouais, je pense que j'étais pas mal. Et les enfants, ils étaient bien? Ah, super, super. C'est diffusé quand déjà, Confession Intime? Tout ça, je pense. Ben, j'ai une mauvaise nouvelle. Ce soir, je n'ai pas préparé de sketch. Oh. Mais bon, vous êtes intelligent. Vous avez plein d'idées. Eh ben, écrivons un sketch ensemble. Ouais. Voilà. Eh ben, pour le moment, je n'ai que le début. C'est l'histoire d'un mec qui un étudiant qui marche sur le campus. Ouais. L'idée, c'est que je ne veux pas qu'il lui arrive des trucs normaux d'étudiant, du genre, ouais, il prend le tram est en retard, ou autre chose comme ça, il y a plein de neige, du coup, faut pas prendre le vélo aujourd'hui. Non, non, non. Faut des idées plus originales, tu vois. Du coup, des idées? Il croise un dromadaire, ok. Ça commence bien. J'aime bien. Dromadaire qui mange une merguez, ok. C'est logique. Ok. Son portable sonne. Parfait. Le dromadaire a un portable. Qui sonne? Oui, continuez. Dromadaire vient de Pluton. Il danse le rock. Il danse le rock. Sacré dromadaire. Un nom pour le dromadaire? Marie-Jean. Ah, c'est une dromelle? Donc Marie-Laure Poté. Un drôle de nom pour quelqu'un qui vient de Pluton. Oui, du coup, que lui arrive-t-il, du coup? Pour le moment, on a parlé du dromadaire, mais étudiant, je sais pas. Il y a un cours d'électrochimie.
Ça se transforme en sketch d'Halloween, là. Ok. Son professeur, c'est un lapin. Ok. Ok, donc cours d'électrochimie, lapin. Attends, oui, d'accord, vendeur de churros, ouais, ça fait. À Grenoble, ouais, c'est logique. Vous pouvez vous défendre avec des petits pois. Non, se défendre contre quoi, pardon? Contre le lapin. Ok, d'accord, l'étudiant se défend contre le lapin avec des petits pois. Le lapin, il lance des carottes et toi, tu dois lui lancer des petits pois. D'accord. C'est un classique. Ça me va. C'est un bon duel. Ouh! Jingle! Merci! Donc là, c'est carotte, bon duel. Bah, maintenant, je rigole sur scène, bah merci. Carotte, bon duel, ok. Continuons. Donc, ok. Autre chose? En sortant de ce cours d'électrochimie avec un lapin? Non, il sort pas avec un lapin. Non, en sortant de ce cours d'élé... Oui, bon, bref. Tu m'as compris. Je n'ai pas de créer à te balancer sur la tête, mais ça va être comme ça. Ni de petits pois, désolé. Oui. Donc. L'amphivé, il décolle. Ah ouais. Piloté par qui? Dromadaire qui va sur Pluton. Le retour de Dromadaire. Ok, et donc? Il croise le Père Noël. Il croise le Père Noël. Où ça, donc, c'est le dromadaire ou l'étudiant? Bah, le dromadaire. Ok. Vous voyez bien que le Père Noël est sur son piano? Non, même pas, ok. Il flotte. D'accord. Votre ballon. Et. Ça m'a l'air bien. D'autres idées? Wouh! Il y a un bel écho ici. Bon bah je vais venir les chercher les idées. Hop. La première idée qui te passe par la tête. Et du coup, mot de la fin. Quelqu'un pour un mot de la fin? L'autre. L'autre. Ok. Je récapépète. Du coup, notre jeune étudiant croise un dromadaire qui mange une merguez. Son portable sonne. Le dromadaire vient de Pluton. Ce dromadaire, c'est une dromelle qui s'appelait Marie-Laure Poteau. L'étudiant allait à un cours d'électrochimie. Le prof, c'était un lapin. Ouais. Un lapin qui, en dehors de ses heures de... Bon, bref. C'est un vendeur de churros aussi. Le cours se déroulait de la façon suivante. L'étudiant devait se défendre contre les attaques de carottes du lapin. Prof. Avec des petits pois. C'est ce qu'on appelle un bon duel. L'amphivèle du coup décolle. Avec le dromadaire, pour revenir à la Pluton, qui croise le Père Noël. Qui flotte. Avec des ballons. Vite. Mais, plot twist. Ce n'était pas un dromadaire. C'était un chameau, il avait deux bosses. Mot de la fin, l'autre. Ok. Voyons voir.
parler du niveau de notre conversation, sur le cul. Oui, je suis d'accord. Cela dit, je trouve qu'il y a une nette amélioration chez toi. Tu es mieux coiffé. C'est à cause du musée. Je me suis dit, faut que je sois un peu plus artistique. Je me suis fait vrai. Ah oui, elle est très visible. Ouais. C'est un peu mon salut au peintre et au sculpteur, Sulky. C'est un bon point, Sulky. Parce que lors de notre dernier rendez-vous dans ce restaurant à Nantes, tu étais si mal peigné, on aurait dit un poney. Un poney mal peigné. Tu m'en souviens. Ah, tu n'étais pas très affriolant, c'est sûr. En table surtout. La bouche remplie de pieds de pomme, avec des nouilles. Et allons-y. Allons-y que tu rajoutais du vin par-dessus. Et tu reniflais. On aurait dit un insecte de la région. Même pas tropical. Un insecte nantais. Une moule. Une moule sifflante avec des cochonneries dans la coquille. Et moi, j'étais sans doute... Ah, tu avais l'air d'un débile. Trop fou. Oui, c'est vrai. Tu me regardais, en tout cas. Avec la lèvre du dessous très basse, un peu grossie et brillante, à cause de la bave. À Nantes ? À Nantes, il y a un mois, quand j'étais coiffé comme un poney. C'est bien ce que je disais, on est en pleine déperdition du rendez-vous. Avant, au restaurant, nous parlions argent, au minimum. Et nous faisions de bonnes affaires, Sulky. Bien juteuse. Ça me donne envie de pleurer, Sulky. Tu veux que je t'embrasse, Sulky? Comme dans nos rendez-vous d'amour d'autrefois? Quand tu avais une jolie queue de cheval, Sulky. Ah, ma queue de cheval. Je sais pas pourquoi je l'ai coupée. Alors on s'embrasse? Excuse-moi, je gronde de ce rendez-vous. Tu n'y peux rien, c'est la tendance du moment. Les rendez-vous sont vides. Tu me fais quand même un soutien? Plutôt une peinture. Corneille. Oh, de Racine, de Corneille, peu importe. Hein. C'était tellement bien joué, je te dis. Ah, mais c'était beau. On était émus, ouais. Vous êtes avec votre femme? Non. Vous étiez seul? Non, je... J'étais avec ma femme. Vous étiez avec votre femme ou vous étiez seul? Oui, mais... C'est quoi toutes ces questions? Je sais plus, moi. Tellement c'était beau. Tellement on était émus. Ah, ma femme, surtout, elle était émue. Enfin, je dis ça, c'est que des suppositions. Je l'ai pas revue depuis hier. Elle a dû rester sur son strapontin, là. Tellement elle était émue. Mais moi, puisque je vous parle, je suis sorti, non? Oui.
Par contre, comment ça, je me rappelle plus. Hein. J'ai dû suivre la foule en somnambule. Je me suis réveillé le lendemain matin chez Paulette. Ah, c'était beau! Chez Paulette. C'était si beau que ça? Ah, mais oui, ah mais le début surtout! Ah, parce que vous savez, les vers, mais quand ils sont beaux, quand on est ému, bah, au bout d'un moment, on a tendance à s'assoupir. Vous voudriez pas essayer de nous réciter quelques vers du début? Peut-être que je reconnaîtrai. Ah, si je peux. Ah ouais, non, en fait, voilà. Seulement, voilà, vous n'avez pas de mémoire. Ah, moi, monsieur. Ah, mais quand je suis ému, j'ai une mémoire d'outre-tombe. Il suffit que je sois ému. Seulement, ma mémoire, elle peut être hallucinante. Je sais plus ce que j'en ai fait. Vous avez votre mémoire sur vous? Bah oui. Sur un bout de papier journal. Ah, tenez, la voilà. Une toute petite. Oui. Mais je la tiens de mon grand-père. Il paraît qu'elle aurait même appartenu à un cheval. Oh, mince. Vous allez voir comme elle va vous restituer sur le bout des doigts ce début de tragédie. Rien que d'y penser. J'en ai mal au nerf. Mais comment ça marche? Eh ben, il suffit d'appuyer dessus. Tenez. Qu'allez-vous dire dans votre fauteuil? Vous allez voir. Ah. Vous appuyez pas? Ah pardon, j'ai oublié. Vous entendez? Les trois coups. Soudain, le rideau s'ouvre sur quelque chose d'abstrait, dans les noirs et blancs, avec une teinte de rouge. Crac, crac, crac. Ce sont leurs souliers qui font ça. Tenez-vous bien, ils vont se mettre à causer. Quoi? 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 Ah. Quoi? Seigneur, je vous vois! À peine sur sa tour, le guerrier de sa trompe a rallumé le jour, et déjà! Ma présence a de quoi te surprendre, butane, je le sais! Depuis que de mon gendre, ce mur trop glorieux protège le sommeil, il n'est plus de repos pour mon antique orteil. Oh, mur de mon enfance, hélas, déposité! Et qui serait bientôt mes pierres funéraires? Vous seul pouvez savoir ce que pèse mes pas. C'est de vous qu'en marchant, j'espère le trépas. Et mon seul réconfort est qu'il y a plus d'une année, vos ruines survivront à la ruine dînée. Quoi? Votre ruine, seigneur? Aujourd'hui que vos ans n'ont pas encore atteint leur énième printemps? Je suis jeune et vrai. Mais pour avoir des billes, à qui se sert du feu? Qu'importe les torpilles. Le feu, il est vrai pour un monarque, a des attraits nouveaux qui n'ont pas des canons, fait resplendir les veaux. Et j'en connais plus d'un seul qui, par cette campagne, aspirerait sans honte aux honneurs de l'Espagne. Nana, hélas, butane, je le sais. Chacun par son nana. De mon excès de gloire, a pu sans en rougir mon habituelle histoire. Et mes larmes, nana, témoigneraient assez. Que jamais leurs crimes ne seront effacés. Quoi? Oh, nanana, seigneur! Le nana des larmes et le nana des pleurs. Nana, butane et renana, nana. Le jour de ma nana, nana, me souvenir. Nanana, 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 nanana. Ouais. Bon. Je sens que ça commence à devenir un peu flou. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai dû commencer à m'assoupir. Et forcément, même moi aussi. Quand même.
Je n'aurais pas cru que vous eussiez une aussi bonne mémoire. Mais quand c'est beau, ça reste. C'est beau ça. Nanana, 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 nanana. N'est-ce pas? Tout de suite, on reconnaît Racine. Ou Corneille. Ou Corneille, oui. Nanana, nanana, nanana. Y'a qu'en France qu'on fait des trucs aussi beaux. Je pense que les Anglais peuvent s'aligner avec leur Shakespeare. Ce qui est beau surtout, c'est la mémoire. Ginny va encore se coucher tard. Ginny passe une nuit dans les bars. Dans ses sourires, dans ses... Bonjour. Salut. Bonjour, jeune homme assis dans le parc. Je t'ai dit salut, fille du parc. Comment ça va? Bah, bien, merci. T'as l'air en forme. Pardon? J'ai dit... T'as l'air en forme. Ah bah, c'est pas faux. Hein. Jenny. Pardon? Jenny. Ah non, je suis désolé, je crois qu'il y a erreur sur la personne. Non, Jenny, c'est moi, c'est mon nom, je m'appelle Jenny. Jenny. Oh, oh, c'est toi? Ouais. Oh, je crois que... Non. Oh, quel petit propos savoureux. Enchantée, Jenny. On s'est déjà rencontrés plusieurs fois. Ah, mais oui, bien sûr qu'on s'est déjà rencontrés. Je voulais dire, j'étais enchantée de vous rencontrer la première fois où on s'est rencontrés. C'était où déjà la fois où on s'est rencontrés? À une fête. Ah oui, oui, à une fête. C'était pas l'un de ces points un peu chiant au boulot? Non. Mais c'est pour ça que j'ai dit que ce n'était pas. C'était chez un ami commun, c'était... Oui, c'est ça. Oui, c'est bien ce que je pensais. C'était chez Lucie? Non. C'était chez Bob? Non. C'était chez Pierre? Non. C'était chez Bobby? Non. C'était chez Sam? Ouais, chez Sam! Ah oui, la soirée chez Sam, je me souviens. Ouais. C'est ça, c'est vraiment pas la peine. Ouais, j'adore les soirées de chez Sam. J'adore les soirées chez Sam. Et ouais. Comment va ce mec d'ailleurs? Elle va bien. Ah oui, c'est vrai. Oui, Sam déteste quand je fais cette erreur. On avait regardé un film? Ah oui, 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 c'était un truc du genre, mais pas nécessairement. La liste de Schindler. On l'a regardé et on a pleuré. C'était American Pie 4. Et puis on s'est promené. Avec nos pieds, si je me souviens bien. On est monté sur le haut de la colline. Et puis on a mangé des sandwichs. Ah oui, on a attrapé des sandwichs et on les a mâchés. C'est la meilleure façon de manger les sandwichs. Oh, dis-moi, Jenny, te promènes-tu encore en haut des collines? Et manges-tu encore autant de sandwichs? Je me promène encore, mais je ne mange pas autant de sandwichs qu'à l'époque. Ah. Et tu te souviens de ce qu'on a fait en haut de la colline? Vaguement. On a profité de la vue. Ah mais oui, oui, je me souviens parfaitement de ce qu'on a fait là-bas. On a profité de la vue sur toute la ville depuis la colline. On a dit que les lumières des voitures et des immeubles ressemblaient aux reflets des étoiles qui brillaient de tout leur feu cette nuit-là.
C'était en pleine journée. La journée de la nuit. Mais tu te souviens de ce que tu m'as dit ce jour-là? Pas au mot près, mais je me souviens qu'il y avait des verbes. Tu m'as dit de te retrouver ici dans un an, que tu avais besoin de te vider l'esprit. Visiblement, c'est réussi. J'ai eu un enfant avec toi. Pardon ? Pardon ? J'ai eu un enfant avec toi. Mais pourquoi me l'as-tu pas dit, Jenny ? Pourquoi me l'as-tu pas dit ce jour-là, en haut de la colline ? Lorsque tendrement, aussi tendrement des sandwichs. A-t-il mes yeux ? A-t-il mon aisance avec les mots ? Ne me ressemble-t-il pas un peu ? Non ! Parce qu'on l'a adopté. Et j'en reviens pas que t'es oublié parce que les démarches ont été compliquées. Mais tu es sûre que c'était moi, Jenny? Évidemment que je suis sûre, Jen. Je m'appelle Brian. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, mais je suis désolée. Mais non, pas de soucis. Non, je suis... Mais non, ça arrive à tout le monde de se tromper. C'est affreux, c'est gênant. Mais non, vous inquiétez pas. Mais non, Jenny, ça arrive à tout le monde de se tromper. À vrai dire, je suis soulagée. Enfin, je dois avoir un visage assez commun, j'imagine. Ouais, c'est comme Jen, il a un visage assez commun, lui aussi. Une bonne soirée, hein? Quand je pense que c'est la première fois qu'on est réunis tous ensemble, c'était l'idée de qui, Jean-Claude? Ouais, c'est l'idée de Françoise. Ouais, bravo Françoise. Ah, c'était super. Faut dire que Jeannot, il a mis une ambiance de malade avec ses grimaces. Je sais pas comment il fait, que j'aimais la même. Moi, je sais en faire qu'une seule. Hein? Ah non, je te la fais pas, non, attends. Non. Bon, d'accord, allez, parce que c'est toi, hein. Bon, ça fait 10 ans que je te la fais. Bonsoir. Merci. Pourquoi il se barre le serveur? Il a eu peur, oui. Il a cru que j'étais comme ça. Bon. Ouais, donc 1574. Allez, on va dire 1600. Et puis on partage parce que sinon on a pour toute la nuit. On disait qu'on était combien? On était 14, c'est ça? On est 14. Alors, avec le service, tout ça... Bon, allez, on va dire 110 par personne, c'est honnête, ça. Bon, alors, ça fait 110 balles par personne. Bon, on se dépêche, on paye, parce que on n'en a pas pour toute la nuit. Bon, le partage, comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe, Myriam? Ça t'ennuie qu'on partage? Pourquoi, Myriam? T'as pris qu'une salade, toi? Eh bah, tu vas la payer à part, ta petite salade, hein? Et puis, nous, on divise le reste parce qu'on préfère. Pas. On préfère pas. Non, mais je dis ça juste pour arranger. Enfin, vous faites comme vous voulez. Moi, je sais pas, ça m'est complètement égal. Je suis complètement ouvert à tout. Qu'est-ce que? On fait les tailles? Bon, c'est parti. Jean-Claude, tu me passes mon sac, il a glissé sous ta chaise. Et puis quelqu'un me passe un stylo parce que ça va être compliqué cette histoire. Hein. Et puis je le sens super bien. Bon, je sais pas pourquoi, mais je le sens génial cette histoire des détails. Ouh,
Ça doit être l'instinct, quelque chose comme ça. Bon alors, ce silo, il vient ou quoi? Bon alors, ça marche ce truc? Ça marche. Quoi? Non, non, je vais pas le faire de tête, y a pas écrit calculatrice là-dessus, bon. Bon alors, on commence, on tourne par là, ouais, comme au Monopoly, et on commence, ok? Parce que, comme dit, j'ai pas envie d'y passer toute la soirée. Bon, Nicole, c'est à toi. Stop! Nicole. Alors, Jean-Claude, tu prends le menu, comme ça, tu m'annonces les tarifs, comme ça, on est efficacité 100%. Bon, allez, Nicole, tiens, t'as vu Nicole, regarde, elle s'entête complètement, elle a commencé à parler à son voisin. Mais, non, elle écoute pas. Ouais. Attends, regarde, elle va écouter, regarde. Nicole! Tiens, regarde, elle va écouter. Mais moi, j'ai eu peur. Hein. Ça va pas bien de faire ton genre comme ça. Bon, alors, Nicole, poire ou vinaigrette, Jean-Claude, 28. Ensuite, tourne d'eau, 72. Dessert, pas de dessert, tant mieux. Donc, ce qui fait 8 et 2, 10. Et ensuite, ça fait 100 pour toi, Nicole. On a drôlement bien fait de faire des tailles, hein. Eh oui, 10 balles par-ci, 10 balles par-là, ça fait vite 20 balles à la fin du mois. Ensuite, on a qui? On a François. Bon, François, qu'est-ce que t'as bouffé? Une salade avec des trucs dedans et des bitonios. T'as dû bien te régaler, mon salaud. Sauf que, Jean-Claude, t'as pas ça en rayon, Jean-Claude, t'as pas ça. C'était quoi alors? C'est la piémontaise, jambon gruyère banane. Alors, ça devait être l'auvergnate. Œuf, lardon, mollet. Non, c'est pas ça. Alors, ça devait être l'exotique. Maïs, avocat. Eh ouais. Bon, je vais arrêter, moi, de toute façon, je vais commencer à gerber, là, sinon. Bon, alors, qu'est-ce que c'est? Bon, tu me dis. Une salade verte? Non, mais tu te fous de ma gueule! T'es bien quand je lis. Tu voudrais que je la chante, moi, l'auvergnate, avec le sabot, la toque et tout le bazar? Tu te demandes où sont les accessoires, bon. Alors, qu'est-ce que c'est? Salade verte. Ok, ensuite, bœuf carotte, 55. Et puis, dessert, tulipe au chocolat. Ah oui, effectivement, là, je te crois, du chocolat, t'en as jusque là. Hein. Ça te va bien, le marron, remarque. Bon, ensuite, ce qui fait un total de 99 balles pour toi, François. Eh oui, bah, une balle par-ci, une balle par-là, ça fait vite 2 balles à la fin de l'année. Ensuite, c'est à Patrick. Attendez, c'est quoi ce chèque? Il a qui ce chèque? C'est toi, Pilou? Oui, d'accord, tu dois partir, mais... Attends, si tout le monde commence à se barrer avant que même que j'ai pu le finir de faire le détail, c'est pas la peine. Mais, non mais attends, mais laisse-moi, mais 2 secondes. Tu prends pas le train, t'es pas dans l'huile. Eh ben, c'est une expression. Eh ben, tu te la feras expliquer. Non, pas par moi, de toute façon, pousse-toi, fous-moi la paix, tu m'énerves. On était où? Oui, toi, qu'est-ce que tu veux? Non, c'est moi qui veux, allez, bon. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Formule? Menu? Faut dire menu comme tout le monde. Formule. Bon alors, ceux qui ont pris des formules, levez la main. 1, 2, 3, 4... Non mais là, je sais pas, là, Sophie, t'as pris une formule, tu te refais le chignon, c'est pas avec toi. T'as pris une formule, d'accord. 5, non mais là, Sophie, tu peux baisser le bras, là, tu veux tout mélanger. Tout mélanger. Tu te refais le chignon? De toute façon, toi, tu m'énerves. Voilà, 5 chignons, énerve, voilà. 5, 6, ça là. Et on a 6 chignons. Ah, formule. Et donc, ceux qui ont pris des formules, vous devez... Oui, c'est ça. Ceux qui ont pris... C'est combien, Jean-Claude? Bon, alors, ceux qui ont pris des formules, vous devez 70... C'est agréable, personne n'écoute, c'est agréable. Bon, alors, ceux qui ont pris des formules, vous devez 79 balles. 79 balles, je ne le répéterai pas. Caisse numéro 25. Voilà. Ensuite, c'était à qui? C'était à Geneviève, c'est ça, si je ne me trompe pas. Oui, c'est à toi, Geneviève. Qu'est-ce que c'est? Elle se rappelle plus de ce qu'elle a bouffé, maintenant. Eh bien, Geneviève, va voir dans la cuisine si tu retrouves pas tes assiettes sales. Et puis moi, je passe à autre chose. Bon. Ensuite, Françoise. Alors, Françoise, c'est clair dans ta tête, c'est bon. Alors, Françoise, entrez. Camembert, toi, tu suis, c'est un vrai bonheur, hein. Entrez! Non, mais non, elle va pas se mettre à chialer. Non, te mets pas à chialer. Non. En plus, elle est moche quand elle chiale. Non, mais arrête de chialer, je t'agresse pas, je veux savoir ce que t'as bouffé!
J'en ai marre, moi je passe à autre chose, y'en a marre. Bon alors, toi, t'étais prêt là, attention, oui, tu vas démarrer au quart de tour là, attention, t'es prêt, attention, ça va être à 3 dans 3, 2, 1, c'est parti. Va plus vite. Non, mon stylo est à tête chercheuse, il enregistre en avance. Ouais, moi je suis en train de discuter, je suis en train de me marrer avec Nicole, hein. Ouais, écoute pas en plus. Non, on avance. Ouais, parfait, moi je me barre, tout ça. Non mais les rigolos de service, t'aimes bien quand ça va vite, c'est ça? Bon alors tu ralentis, tu nous dis ce que t'as bouffé, merde. Bon alors, Terrine. Après, caille. Après, fromage. Jean-Claude, tu peux me rappeler ce qu'il y a dans la formule, s'il te plaît? Terrine. Caille. Fromage. Non mais tu te fous de ma gueule, toi aussi, y'en a marre. Vous êtes tous sur le coup, là. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'accroches sur les F? Tu dis quelque chose, tu dis formule, tu dis muchemule, tu dis cruchemule, tu dis quelque chose. Et puis je te connais, toi. Comment il s'appelle? C'est qui, là? Raoul. Eh ben regarde. Raoul, cool, tu me fous les boules! Et blanc. Alors, ensuite, c'était quoi? Donc, formule chignon, ça c'est fait. On a qui? Bon, on a... ensuite, on a formule. Bon, pousse-toi, t'es pas transparent. Et ensuite, on retombe sur la salade de Myriam à 42 baluches, hein, c'est ça. Et puis, Jean-Claude et moi, ça fait 100. Et ensuite, ce qui fait au total 1054, vu qu'il nous faut 1574. À mon avis, là, il y a une grosse boulette, là. Une boulette qui se cache, mais là, c'est une grosse boulette à 500 baluches. Une boulette à déguster pour toute la famille, là. C'est... Bon, alors, l'amnésique, là, elle a pas bouffé pour 500 balles, hein. Qu'est-ce qu'elle a bouffé? Pas de la viande, pas du poisson? Qu'est-ce qu'elle a? Elle est bourrée? Eh ben, tant mieux, si elle dégueule, on saura ce qu'elle a bouffé! C'est quoi ton plat, connasse? Une soupe? À 500 balles? Putain, elle a bouffé un chaudron, il va nous exploser la gueule. Qu'est-ce que c'est? Le vin! Le vin! On n'a pas compté le vin. Ok, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 8 pichets. Bon, oui, non, mais il y a quelqu'un qui... le tarif. 40 fois 8, 8 fois 4, 32, c'est qui fait 320. Et donc, s'il vous plaît, il y a quelqu'un qui les pose. Et en plus, on partage demain au boulot parce que... Parce que là, j'ai les nerfs un tout petit peu. Oui, je sais pas. Hein, je suis énervé du haut, là. Je sais pas, le bas, il est tout flexible. Alors que le haut, il est tout raide, il est tout dur. Je peux pas. Je vais m'en sortir, hein, ça va partir. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, Myriam? T'as pas bu de vin? Tu veux qu'on fasse le détail pour le vin aussi? Oui! Tu veux qu'on le fasse comment? Au verre ou à la gorgée? Bon alors, ceux qui ont bu du vin, levez la main! Bon alors, 1, 2, 3, je vais dans les bois! 4, 5... Non mais Sophie, là, je sais pas ce que t'as, là, mais est-ce qu'il y a encore ton histoire de chignon là? Mais baisse le... T'as pris du vin? D'accord, bon, 5, 6... Château Chignon, mais je suis sous la table, là, je suis mort de rire. 5, 6, 7, 8, et donc on a 8 pichets. Et donc ceux qui ont bu du vin, vous foutez 40 balles ici, et puisqu'il y en a marre, parce que là j'en ai ras-le-bol. Et puis là je vérifie, et ensuite on se barre, parce qu'il y en a marre. Et donc ça fait 1374, ce qui est parfait, et il nous manque 200 francs. Il nous manque 200 francs. Ah bah oui, ça va encore être de ma faute, bien sûr, j'ai dû merdouiller quelque part. Mais comment tu veux que je fasse quelque chose, là?
Avec elle, là, avec son chignon. C'est quoi, toi? La semaine prochaine, je te prends, je te fous par terre, je prends ton chignon et je vais te le péter, ton chignon. Et puis lui, là, avec ses grimaces, ça fait 15 ans que tu nous fais la même. Et puis toi, éventuellement, change de côté. On sait pas. Et puis elle, là, qui pleure à chaque fois qu'on lui dit entrez, là, on sait pas. Elle est pas cuite, elle lui manque un quart d'heure de cuisson, là, regarde. Attends, regarde, regarde. Entrez. Tiens, tac, voilà, le ciel encore. Je vais vous dire, mais on ne se casse pas avant que... Mais au centime près, on ne se casse pas avant que j'ai fait tout le calcul depuis le début. Garçon. Oui, venez par là. Oui, c'est moi le... Bon, vous voyez bien que je peux pas travailler sur cette nappe, c'est dégueulasse, là. Bon alors, vous m'apportez un nouveau stylo avec une nouvelle nappe, avec une marge et des petits carreaux. Oh! C'est un très bon restaurant. Et 3 étoiles en plus. Vraiment? Oui, oui. Tiens. Assieds-toi, ma chérie. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. C'est un plaisir de vous revoir, monsieur. Merci. Tiens, voilà pour toi, chérie. Choisis ce que tu veux, ma chérie. Alors, ils font un bœuf en croûte, il est délicieux. Permettez-moi de vous suggérer le brochet à la reine. La sauce est une des plus célèbres créations du chef. Ouais, ouais, ça semble délicieux. Mais prends ton temps, ma chérie. Hein. Oh, à propos, bon, ma fourchette est un petit peu sale. Est-ce que je peux en avoir une autre? Merci. Ah, non, non, ce n'est rien. Ma fourchette est un petit peu tachée, j'aimerais en avoir une autre. Voilà, merci. Je suis vraiment désolé, monsieur. Non, mais ce n'est rien, ne vous en faites pas. Je vais chercher le maître d'hôtel, je suis certain qu'il voudra s'excuser lui-même. Ah non, mais c'est inutile. Non, je vais le chercher de ce pas. Excusez-moi, messieurs, dames. Elle est immonde. Gaston, trouvez qui la lavait et renvoyez-les immédiatement. Ah ouais, Non, vous ne pouvez pas risquer que ça se reproduise. Renvoyez toute l'équipe. Je veux pas faire d'histoire. Oh, mais ne vous inquiétez pas. C'est tout à fait normal de nous signaler ces choses-là. Gaston, trouvez le gérant et appelez-le immédiatement. Je veux pas faire d'ennui. Oh, non, mais ne vous inquiétez pas. Ce n'est vraiment rien. Nous voulons nous assurer que rien ne troublera le plaisir que vous prendrez ici. Oui, c'est certain, mais c'est qu'une fourchette à peine tachée. Je sais, et j'en suis désolée, profondément désolée, et je sais que rien ne pourra changer le fait qu'ici, on vous ait remis une fourchette immonde, dégoûtante et puante. Ah non, elle ne puait pas. Elle pue, elle est immonde et je déteste ça. Je la hais, cette fourchette crasseuse, immonde et pliable. Ça suffit, Gilbert. Bonsoir.
Bonsoir, messieurs, dames. Je suis la gérante. Je viens d'apprendre la nouvelle. Puis-je m'asseoir? Oui, bien sûr. Je voudrais m'excuser, humblement, sincèrement et profondément pour la fourchette. C'était qu'une toute petite tâche. Ça soyait à peine. Vous êtes vraiment très gentil de dire ça, mais moi je le vois. Pour moi, c'est une montagne, un grand bol de pu. Oh, comme quand même pas. Ça me touche vraiment, mais je ne peux pas trouver d'excuses. Il n'y a pas d'excuses. Je voulais passer plus de temps au restaurant, mais j'ai eu des problèmes de santé. Et ça ne se passe pas très bien là-bas, derrière. Le fils du chef s'est encore fait arrêter, et la pauvre Jeannine qui fait la vaisselle peut à peine bouger les doigts, sans parler de la blessure de guerre de Gilberto. Mais ce sont des braves gens, des gens très gentils, et ensemble, nous parvenions enfin à nous en sortir. On voyait le bout du tunnel, mais maintenant ça, je veux mourir. Vous voulez de l'eau? C'est la fin. Espèce de salaud! Espèce de petit vicieux sans cœur! Regardez ce que vous avez fait! Elle cache les 100 euros pour faire cet endroit ce qu'il est aujourd'hui! Et vous? Vous arrivez, vous la traînez dans la boue! Ah, cette fin! Bonne! Et honorable! Et vous la traînez dans la boue! Ah, ça me rend mal! Ah! Ah, doucement, Ringo! Ah. Tout doux! Voilà. Ah, la blessure de guerre! Ma blessure! Ah. C'est la fin! Ah. Ah. Elle est morte! Ils l'ont tué! Vengeance! Non. Heureusement qu'on n'a rien dit pour le couteau. Ça va, je sais pas ce qu'on mange, alors j'ai pris du rosé. Ah, Babou s'est lancé dans un buffet marocain. Ça sent divinement bon. Oh Claude! Ah, Babou! Ça va toi? Ça va toi? Qu'est-ce que t'es beau! Ah mais toi aussi, attends, bien. Je t'ai fait un petit balayage toi. Ah oui! Ça te va super bien. Oh, merci parce que Jeanne déteste. Mais pas du tout. Allô? Les mêmes codes que depuis 10 ans mon vieux, t'as oublié? Ah bah tant pis, on dînera sans toi. Vincent. Bon allez, magnanime, je te donne un indice. Le premier code c'est Marignan. Ouais, c'est ça. Le deuxième code c'est Austerlitz. Enfin Vincent, Austerlitz. Cher et Hautes-Alpes. Non, Cher le département, pas la chanteuse. Bon allez, j'ai pitié. 1805. Sacré Vincent. Non mais, Austerlitz. Bah oui, hein. Austerlitz. Je me connais. Et du coup, vous avez joué du Bartok hier soir? C'est ça, oui, la symphonie numéro 9. Ah, super. Petit piano. Et alors? Ah, bah ça doit être fini. Ah putain. Ah putain. Ah putain.
Putain, achetez-vous un ascenseur, enfin voyons, mais je monte tous les étages, ça fait 8 étages. Moi aussi, ça me fait plaisir de te voir, l'inculte. Tiens. Oh là là, on crève là. Putain, cheval blanc 85, la vache. Hein? Ah, de rien, cadeau d'un client. Ça va? Ça va, toi? Allez, ça va. Dis donc, je savais pas que c'était soirée costumée. J'avais oublié que t'étais aussi drôle. Ah, je pourrais te mettre un petit torchon, ça ferait le service. Ça va? Ça va. Et qu'est-ce que t'as fait, Anna? Ah, elle veut nous rejoindre. Elle est avec des Japonais. Elle a un rendez-vous avec des Japonais. Ah. Donc elle va nous rejoindre après. Et. Et t'as fait un truc à tes cheveux, toi? Oui. Et ça te va bien? Non, franchement, ça te va pas mal. Si. Hein? Ça te va pas mal. Mais pas du tout. Ouais. T'as lancé dessus? Ouais, ça va, mais un petit peu de. Oui. C'est pas aujourd'hui que Anna a passé son lithographie? Oui. Quoi qu'il y a? C'est ce que j'ai dit. Si, si, c'était aujourd'hui. Et Vincent, qu'est-ce qui se passe? Ben. Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Quoi? La bonne nouvelle, c'est que c'est un garçon, la mauvaise, c'est qu'il est mort! Ouais, ça! Non, je suis là, excuse-moi, non, je plaisante. Il va très bien. Attendez. Je plaisantais, voilà. Mais regardez, c'est complètement con. C'est l'échographie, regardez. Ils l'ont fait en petit parce qu'ils n'avaient pas un énorme. Mais c'est l'échographie. Alors, regardez, magnifique. C'est mon fils, voilà, c'est mon fils. C'est une merveille, regardez. Si petit, déjà si riche. C'est une merveille, regardez. C'est pas une merveille, non, c'est une merveille. Non, mais t'es pas un gros con de faire ça. Hé hey. Ah, mais ça va, c'est bon. Regarde, c'est une merveille, ça. Merci, c'est une merveille. Oh là là. Il penche à droite comme son oui. Père. La droite, tu fais très bien la droite. Merci. Super. Bon, sinon, on attend Anna ou on commence? Oh, bah, tu lui prends un paquet de cigarettes, ça suffira. Quoi, fume? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est la seule femme qui se met à fumer pendant sa grossesse. Stress prénatal. Stress. Écoute, Vincent, je ne veux pas me mêler de ce qui ne regarde pas, mais c'est très mauvais pour ton fils. Oui, bah, tu lui diras quand elle arrivera, écoute. Voilà. Mais bon. Il va être tout petit! Eh ben, il sera jeté, voilà. Oh, extraordinaire, ça, aussi. Bon. Un garçon, alors? Ouais, un garçon, ouais. Ah non, c'était pas pour le sexe. Vous ne saviez pas comment on faisait? Un ah, attends. Claude, est-ce que tu peux aller s'il te plaît? Ah oui, Claude, t'es parti. Parce que je suis un petit peu chargée. Voilà. Alors, je dispatch, oh, oui. Oh. Alors, il y a... Oui. Des briouettes. Des briques au persil. Ça, c'est de la chouchouka. Ça, c'est du salouk. Il y a aussi une petite salade de fèves que Claude va ramener avec les pitas. Et il y a aussi des carottes. Une petite salade de carottes. Des carottes. Oh, j'ai mis du cumin. J'espère que vous aimez ça. Je déteste ça. Et ça, c'est du houmous. Vous pouvez manger, hein. Allez-y, j'ai gardé une assiette froide. Et ben là, tu me rassures, tu vois. Pourquoi tu trouves qu'il y a pas assez? Ça dépend, tu as invité l'orchestre de Claude ou pas? Non, parce que là, voilà, il y a ce qu'il faut, hein. Non, mais tu la connais, hein. Si elle fait pas tout en double, elle a toujours peur qu'on manque, hein. Mais oui, évidemment. Heureusement qu'à la coloc, c'est moi qui fais les courses, hein. Sinon, on aurait dû revendre la voiture. Voilà. Oui, bah écoutez, quand on était petit, il fallait toujours compter. Alors, du coup, bah là, je me rattrape. Oui, non, mais d'accord, mais c'était pas la Pologne non plus. C'était pas. Oh, il est mignon, il aime pas sa maman. Mais dis donc, ça va, je fais ce que je veux. Bon, sinon, vous avez des idées de prénom, du coup? Ouais, ouais. On a des idées de prénom. On peut savoir? Une assez précise, même. Est-ce qu'on peut savoir? Non, devinez. Tu préfères pas qu'on entende Anna plutôt? Ça la fera bien. Allez, je vous écoute. Oh, tu vas pas les appeler comme papa et grand-père? Ah non, je vais pas la. Non, bah ça non, hein, parce que. En même temps, je te vois bien avec un prénom classique du style Mathieu ou Paul. Oui, alors pas les apôtres, hein, on va pas faire les apôtres. Merci. Ah, Paul n'est pas un apôtre. Paul n'est pas un apôtre. Ah non, pas un des 12, non. Oui, mais c'était un remplaçant. Hein. Non, mais il faut trouver quelque chose qu'il aime, ses goûts. Diego. Diego. Diego, tu veux dire Diego? Non, mais est-ce que j'ai la tronche d'aimer les petits serveurs mexicains, moi? Diego. Diego Maradona. Ah, oui. Non, mais non, oui, non, d'accord. Oui, non, mais non. Oui, c'est pas mal, mais non. En fait, c'est pas ça. Oh,
on pourrait commencer sérieusement. Alors, par quoi est-ce qu'on commence? Est-ce qu'on commence par Cheval Blanc 85 ou Fontaine de Provence? Ça dépend, c'est pour boire ou c'est pour se laver les mains? Oh, bah, c'est vraiment sympa. Oh, ça va, il a le génie musical, il peut bien se le rater sur le vin, c'est tout, c'est pas grave. Christophe. Non, c'est pas Christophe. Camille. Non, c'est un garçon, hein, c'est un garçon. Mais Camille, c'est fille garçon. Voilà, bah moi c'est garçon. Donc ça sera pas Camille, voilà. Garçon. Lancelot, TAD. Oh, mais non. Non, mais non. Basile. Basile, non, pas non. Igor. Igor, c'est moins russe, hein. Moins russe, Basile. Bartholomé, Balthazar. Non. Donne-nous l'indice. Ça commence par A. Alors. Alexandre. Non. Albert. Non, Albert. Arthur. Arthur, non, pas Arthur. Adrien, non, c'est. Alban, non. Alfred. Aurélio. Antonin. Aurélio. Avec ce Aurélio, show, là. on voulait appeler le nôtre Aurélio. Mm-hmm. On a dit Aurélio, Garo, ça faisait trop haut. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, c'est joli. Voilà. Oui, bien sûr. Ça, non, c'est pas Aurélio, hein. C'est pas ça. Je sais pas, moi. Antoine? Non, c'est un peu plus original qu'Antoine. Albator. Ouais, je vais appeler mon fils Albator. Tranquille. Émeric? Non, regardez Albator. Émeric. Émeric, non, c'est pas Émeric, c'est moins... C'est plus connu, quand même. Oh là là, mais vous êtes mou, là! Je sais pas, il manque pas un truc, là? T'avais pris les pita, les briouades? Hein? Hmm? Mais non, mais... Alphonse? Alphonse! C'est Alphonse! C'est pas mal. Non, c'est pas Alphonse, mais c'est pas loin. Attendez, vous y êtes presque, donc vous m'attendez, je vais chercher la suite, et puis vous me direz quand je reviens. Vous m'attendez! Il s'en fout complètement pour mon fils. Enfin là, typiquement. Achille? Non, c'est pas Achille. Anissé. C'est une horreur, Anissé! J'ai dit, on m'attend! C'est une référence littéraire. Aramis. Voilà, bah oui, Aramis, voilà, c'est bien, c'est comme référence. Oui, voilà, Aramis. Oh, Aramis. Aramis, viens là. Enlève son épée, c'est chiant. Arsène. Attends. Non. Une référence littéraire connue, je sais pas moi. D'Artagnan. D'Artagnan, bah oui, D'Artagnan. Oui, D'Artagnan. Aramis, D'Artagnan, vous êtes... Ouais, ça va. Vous connaissez depuis longtemps, non? Oui, ouais. Je sais pas, c'est pas Alexandre. Non. Abbas. Attila. Attila. Oui. Ah bah Attila. Ah bah ça c'est une super idée. Je sais, ils avaient des pics comme ça, espèce de toc, les yeux bridés, super. Enfin, même pas le mien. Je sais pas moi, enfin. Oh, allez, dis-nous. Bon, ok. C'est Adolphe. T'es trop court. Bon, allez, vas-y, comment tu vas l'appeler? Ah, c'est ça, c'est Adolphe. Mais tu ne vas pas l'appeler Adolphe. Tu ne vas pas l'appeler Adolphe. Si, je vais l'appeler Adolphe. Tu vas l'appeler Adolphe. Oui, je vais l'appeler Adolphe. Adolphe. Comme Adolphe. Dire du nom du personnage du roman de Benjamin Constant. Non mais tu vas quand même pas appeler ton fils Adolphe. Mais si, je vais appeler mon fils Adolphe. Mais je veux dire, avec Julien Sorel, c'est peut-être le personnage le plus connu de la littérature française. Non mais Vincent, là tu me fais marcher, c'est une blague, de mauvais goût, mais c'est une blague. Tu ne peux pas appeler ton fils comme le Führer. Ah mais non, oui, non. Ah, évidemment, ah les coquinous, non, évidemment. Non, c'est pas Adolphe F, hein, c'est Adolphe PHE. Mais c'est pareil. Mais c'est pareil, excuse-moi, pour une normalienne, je pensais que tu serais un petit peu plus à cheval sur l'orthographe. Excuse-moi, PHE, F, c'est pareil. Mais à l'oreille, c'est pareil. Oui, bah ça va. Adolphe, c'est pareil. Mais non, c'est pas pareil. Écoute, Adolphe. Vincent, ce que Jeanne veut dire, c'est que pour les gens, ils vont pas entendre Adolphe, ils vont entendre Adolphe. Enfin, c'est comme dans éléphant. Tu vois? J'adore quand tu me parles comme un débile mental. C'est super. Mais c'est parce qu'il faut être complètement un débile mental pour vouloir appeler son fils Adolphe. Non mais ça va, c'est bon, tu ne m'agresses pas, d'accord, hein. Soit je t'explique, soit
on arrête là et on continue. Voilà. Non, mais écoute. On fait du cumin dégueu. Laisse-le s'expliquer. Merci. Bon, eh bien, quand on s'est rencontrés avec Ada, on lisait tous les deux le roman de Benjamin Constant. Voilà. Donc, on aimait bien ce bouquin, c'est un petit peu le bouquin de notre rencontre. Et donc, on s'est dit, si on a une fille, on l'appellera Éléonore, et si on a un garçon, mais on l'appellera... Mais je vais le faire, ce con. Il a lu un livre. Un livre dans sa vie, allez, ça tombe sur celui-là. Mais quand même que tu me l'as offert, celui-là. Mais depuis quand tu lis ce que je t'offre? Ça un va. Chine. Je suis sûre que c'est un chine. Vincent, tu l'as dit. Ouais. Tu l'as dit quand j'étais pas là. Ouais. C'est Achille, c'est ça? C'est pas Achille. Mais tu l'as dit. Oui. T'es vraiment dégueulasse, Vincent, je t'avais dit d'attendre. Écoute, babou, je t'assure que c'est pas le problème. Oh bah c'est facile pour toi de dire ça. Non mais parce que tu sais comment il va faire son fils, hein? Je veux pas savoir, vous aviez qu'à m'attendre. Vous aviez qu'à m'attendre. Tu veux pas savoir comment... Non, je veux pas savoir, ça ne m'intéresse plus. Je vous avais dit m'attendre, vous m'avez pas attendu. Voilà. Bah je vais te le dire quand même. Mais bah c'est ça. Mais vas-y, vous mais vas-y, moi les je vais te faire un frère. Leur va appeler son fils, notre frère. À table, et du coup, ils sont vraiment au calme. Et donc c'est bien. Babou, Babou, Adolphe, Adolphe, tu entends? D'autres frères vont appeler son fils Adolphe Caravaggi l'archer. Ah non, ça non. Ah, ça, t'as ça non. D'avis non, ce sera juste, ce sera Adolphe l'archer. Hein. Ouais, mais bon, cette mode ridicule de foutre les machins, merci. Tu trouves que Garo l'archer, c'est ridicule? Il va appeler son fils Adolphe et il parle de mode ridicule. Ça, non, mais écoute, mais très bien, écoutez. Ok, ok, on colle à la mode, hein. Dans 3 générations, on a des états civils de 600 grammes. Bonjour. Tac, on commence à avoir ce cigarette l'archer, vas-y, on se gagne. Vincent, en Espagne. Mais on s'en fout de ce qu'ils font en Espagne et au Portugal! Et pourquoi tu m'agresses? Notre frère va appeler son fils comme le Führer et c'est moi qui suis agressive! Comme le tueur. Tu veux appeler ton fils Adolphe? Oui, pour la 40e fois, je vais appeler mon fils Adolphe! Comme le personnage du roman de Benjamin Constant! Et le plus grand tyran de tous les temps! Mais c'est pas vrai, ça, c'est incroyable! Mais mon Adolphe, c'est appelé Adolphe avant le tien! Mais c'est... Sauf que regarde, il fait déjà salut nazi. Quoi? C'est n'importe quoi, ça. Il fait des choses comme ça dans la maison. Dis-moi, tu ne penses pas qu'Adolphe est devenu Adolphe parce qu'il s'appelait Adolphe? Tu peux répéter, là? Tu ne penses pas qu'Adolphe Hitler est devenu Adolphe Hitler parce qu'il s'appelait... Et peut-être qu'on pourrait commencer à manger... Non, Babou, c'est important. Bon, regarde, Adolphe Hitler n'est pas devenu Adolphe Hitler, mais il s'appelait Adolphe, hein. Ses parents l'auraient appelé Pierre ou Martin ou Pépito, ce serait exactement pareil. Je dirais Pépito, c'est la même chose, hein. Et moi, je serais tranquille. Personne ne me tient, j'aimerais m'emmerder. Ah, mais je trouve, Vincent, que les parents de Hitler, qui devaient avoir des goûts proches des tiens, ont choisi de l'appeler Adolphe, pas Pépito. D'accord, mais bon, Adolphe arrive avant le tien. Je veux dire, c'est tout, c'est comme ça. Non, mais tu sais ce qu'il a fait? Très bien, mais de toute façon, le mien est arrivé avant, voilà. Tu sais ce qu'il a fait? Eh ben le mien est arrivé avant, c'est tout. Alors tu commences pas, ok? Parce qu'à un moment donné, ça commence à bien faire. Je sais très bien que Adolphe Hitler a génocidé des milliers de gens, hein, c'est pas le problème. Mais le mien n'est pas responsable pour ce qu'il a fait. Quand tu parles de ce qu'il a fait, tu parles de la mort de millions de personnes. Mais c'est tout, oui, bah oui. Il n'a pas volé une bicyclette. Mais le mien non plus n'a pas volé une bicyclette. C'est disant quelle langue? Mais c'est la mort. On a des voisins, on ne peut pas prendre ce calme. Moi, Il faut penser à Adolphe. Il n'y a plus d'Adolphe. Il faut penser à Adolf Hitler. Personne ne pensera à Benjamin Constant, mais à Mein Kampf. Adolphe a tué Adolphe. Voilà. Donc ce qui compte, c'est ce que pensent les gens. Ah ouais. Voilà. Donc j'ai droit à Starsky et Hutch, mais par contre Adolphe, c'est pas possible. Non mais Starsky et Hutch n'ont pas établi la moitié de l'Europe. Mais mon Adolphe non plus, j'ai passé Benjamin Constant. Manière, tu n'auras pas le droit. Tu veux me faire un procès pour homonymie? Je te dis que tu n'auras pas le droit. C'est pas un nom, c'est une apologie de crime contre l'humanité. Oh, une apologie de crime. Je dis que tu n'auras pas le droit. Ah,
c'est complètement con. Valérie Rosenthal, on dit genre très sympathique, est-ce qu'ils ont pu me demander quand ils ont appelé leur fils à lever? Ça n'a rien à voir. Mais dis ça à tout à voir, justement. Mais bien, parce que tu vois, les Rosenthal sont des gens très cultivés. Et ils comprendront très bien la différence entre Adolphe, le personnage de Romain Jean Constant, et Adolphe Hitler. Bon, écoute, maintenant ça suffit, ma soeur est de jouer au con. Vouloir appeler son fils Adolphe, au mieux c'est de la conscience, au pire une téléprovocation. C'est ça ou l'autre? Je viens voir que des bonnes fois, mais après la conversation qu'on vient d'avoir, tu ne peux pas faire comme si tu ne savais pas. Tu ne peux pas faire celui qui blesse par les tourderies, hein. Non, tu peux pas te balader en uniforme nazi en disant juste tu adores les déguisements. Non. Alors à partir de maintenant, tu sais ce que tu fais. C'est un acte délibéré. Et si tu persistes à vouloir appeler ton fils Adolphe, je considérerai ça comme une profession de foi. Comme un acte fasciste. Voilà. Débat est clos. Tu sais quoi? Tu m'as convaincu. J'appelle pas mon fils Adolphe. Tu crois que notre frère n'est pas ce gros con borné comme on l'a si souvent dit? Bon, et bah. Est-ce que vous voulez t'agir maintenant ou avec. Enfin, je sais pas, est-ce que vous voulez être maintenant ou ensemble? Moi, je veux bien tout en même temps. Ok. Ouais, alors, c'est ça. Alors, je vais chercher l'agile et à mon retour, on dit qu'on va plus loin, mais on doit pas s'installer avant ça. Ah oui, ça oui. Ça c'est vrai, tu vas te battre tout à l'heure. Près du vieux port. J'ai dit c'est faux, matin. Attends, non, non. Tu sais ce qui m'a convaincu? C'est le coup sur le déguisement. Le coup sur le déguisement, mais oui. Tu sais, un acte privé devient forcément un acte public. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, faire fi du jugement d'autrui. On ne peut pas simplement faire abstraction. Voilà, c'est pas possible. Mais ça m'a convaincu. Non, c'est vrai, ça m'a convaincu. Et plus j'y réfléchis, plus je crois que je vais appeler mon fils Adolphe avec un F. Non, mais si, mais. Non, mais honnêtement, attends. Tu m'as convaincu alors, accepte d'être convaincu. Bon, tu sais à qui j'ai pensé? J'ai pensé à Charlie Chaplin. Avec sa petite moustache, tu sais, Charlie Chaplin. Eh ben, Charlie Chaplin, il a vu ce qui allait se passer. Il s'est déguisé en Adolf Hitler, il avait sa petite moustache, et il a nié à Adolf Hitler jusqu'à son déguisement. Et bien ça c'est vrai. Et bon, les gens qui ont dit oui, le Eurovac, ça c'est des connards. Mais les gens intéressants ont compris que c'était un appel à l'aide, c'était une dénonciation. Mais je te écoute, honnêtement, Charlie Chaplin, par son seul acte, a réussi à dénoncer cet homme. Mon enfant sera grand, il sera grandiose. Ce sera un nouveau Chaplin. Bon, un Chaplin peut-être d'autre chose, des mathématiques peut-être. Mais ce sera un Chaplin. Et il effacera Adolphe de la carte. On ne se rappellera plus que d'Adolphe, mon fils. Je ne sais pas quoi te dire tant c'est n'importe quoi. Voilà. Claude. Dis-moi. Quelle est la personne que tu détestes le plus au monde? Hitler, j'imagine. Ouais, non mais quelqu'un de vivant, hein. Sinon ça n'a pas marché. Non, mais... Je déteste personne. Non mais Claude, mais fais un effort, mais écoute, il y a quelqu'un qui concentre une petite partie de ton mépris.